Bonsoir et bienvenue sur le front. Est-ce que vous savez où part votre poubelle, vos ordures ménagères, vos déchets? Vous pensez qu'ils sont brûlés, tous? On va aller vérifier dans une commune des Hauts-de-France, Villers-Cotterêts. Bonjour. Bonjour. Je vous cueille pile au moment où vous jetez votre poubelle. Est-ce que vous savez où vont vos ordures? Il y a un incinérateur pas loin de Villers-Cotterêts et je pense qu'ils sont brûlés là-bas, non? Je sais pas. Est-ce que vous savez où part votre poubelle? Une fois que vous la jetez? Non. Aucune idée? Aucune idée. Bonjour! Vous savez pas où elle va? Non. Non. Leurs déchets ne sont pas brûlés. Ils partent à 30 km de là, dans ce trou béant. Toutes les poubelles de la ville sont enterrées ici, pour toujours. C'est encore légal en France. Le sac que vous mettez dans votre bac d'ordures ménagères, il est enfoui. Je suis un peu interloqué, voilà. Je trouve que c'est pas pour la planète, c'est pas bien. On a tous le sentiment qu'en France, on n'enfouit plus les poubelles dans le sol, que c'est fini depuis bien longtemps. En réalité, un déchet sur cinq est enterré. 20% de nos ordures ménagères finissent en décharge. Voilà, en fait, ça fait comme une pyramide. Hein. On dirait un temple Inca, presque. Ouais, c'est ça. 20% en France, alors qu'en Belgique, par exemple, c'est seulement 3%. Ah ouais. Que s'est-il passé? J'en ai jamais vu autant. Ah, le désastre. La loi française prévoit pourtant de réduire l'enfouissement de 50%. Si diminue de 50% d'ici 2025, je mange un rat. Nous avons complètement changé les habitudes alimentaires de certains oiseaux. On voit des goélands qui vont en direction de la décharge pour aller s'alimenter. Oui, c'est un buffet à volonté. Voilà, c'est un buffet à ciel ouvert pour les goélands. Vous pensez qu'on enfouit parce que ça revient moins cher aux habitants? Même pas. On passe de 120 euros à 186 euros. C'est rageant dans la mesure où cet argent, on ne sait pas où il va. Nous partons pour un tour de France. Si quelqu'un tombe à l'eau, on adopte toujours la position de sécurité. Des décharges qui s'agrandissent. Là, on commence à voir quelques déchets plastiques. Et des décharges que tout le monde a oubliées. Puis ça finira tôt ou tard dans l'océan. Hein. Nous allons suivre des camions poubelles qui partent à l'étranger et rencontrer des combattants qui rêvent d'un monde où toutes les décharges seront fermées. On va laisser des déchets aux générations futures, donc c'est assez aux gens d'agir. Je pense qu'on va tous y arriver. Notre enquête commence à côté de Marseille, au Pen Mirabeau, dans un joli quartier résidentiel avec des piscines qui pourraient faire rêver, à un détail près, l'odeur. Regardez ce qu'il y a juste à côté. Une décharge qui était censée fermer et qui est toujours en activité. Waouh ! Sa durée de vie ne cesse d'être prolongée. Tout ce qu'il y a devant nous, ils vont le remplir. Ah oui, oui, oui. Le problème, c'est qu'ils ont fait des lotissements où il y a plus de 200 maisons autour. Ouais. Ils ont tous habité en croyant que ça, la décharge allait fermer, mais pas du tout. Hein. Au contraire, elle s'agrandit, elle a quadruplé en peu de temps. Quoi. Quand je suis arrivé, il y a plus de 30 ans, c'était une petite décharge, il n'y avait rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. C'était pas un truc monstrueux comme ça. On a commencé à se révolter quand ils ont eu le projet d'agrandir la décharge. Pour moi, c'est important de faire des vidéos, des photos, parce que sinon, on ne le croit pas, on n'arrive pas à l'imaginer. Si on se laisse faire, ils vont monter de plus en plus haut. Il faut qu'elle s'arrête, cette décharge. C'est pas possible de continuer comme ça. Je m'appelle Pierre Montangon.
je me bats contre l'enfouissement des déchets et pour les riverains. Les habitants se sont organisés en collectif, avec une demande très claire, que la décharge soit fermée, purement et simplement. Quand vous avez signé la maison en 2017, la décharge devait s'arrêter en 2022. C'est ça, tout à fait. Le site avait été exploité à son maximum et il devait trouver une alternative au traitement des déchets. Donc tout le monde était enjoué. Là, on voit dépasser le sommet de la montagne de déchets. C'est pas seulement qu'elle n'a pas fermé, c'est qu'en plus, elle est devenue monstrueuse. C'est ça, exactement. N'imaginez pas ouvrir les fenêtres, n'imaginez pas faire un barbecue au soleil. Et je me dis, je vis dans une poubelle, en fait. Cet endroit, c'est pour venir avec ma fille, faire du vélo, balader. Ouais. On a la chance d'avoir les écureuils, les petits hérissons, d'être vraiment dans un environnement qui peut être bien. Là, à l'heure actuelle, on a des odeurs, des mouettes, c'est sympa. De temps en temps, des rats qui ressemblent à des kangourous. Donc, on est entre l'Australie et Marseille, quoi. Comment ils ont justifié ça? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous ont rien dit, en fait. On a été pris pour des imbéciles. Pierre nous présente une autre habitante. Sa maison vient tout juste de sortir de terre. Oui. Encore, ils nous ont mis un peu des arbres. Quand elle a décidé de construire, elle savait bien qu'elle aurait vu sur la décharge. Mais ce devait être sur une décharge fermée. Finalement, depuis sa terrasse, elle assiste à l'agrandissement du centre d'enfouissement. Vous sentez, on sent vraiment les odeurs. Alors, les nuances principales, c'est d'abord c'est l'odeur, c'est insupportable à vomir. Et puis, on entend, il y a quand même du bruit, il y a une nuisance sonore. J'ai fait quand même une petite dépression, parce que quand vous ouvrez vos volets et que vous voyez cette décharge-là, je le vis très, très mal. Il y a quelques années, ils ont vu ce bâtiment sortir de terre. Ça, c'est un centre de tri pour les déchets recyclables de la poubelle jaune. C'était censé réduire le nombre de déchets à enfouir. Mais ça n'a pas suffi. Il a malgré tout fallu aussi agrandir le site d'enfouissement. Là, la colline, elle est montée au moins de 20 mètres par rapport à il y a deux ans. Ah d'accord. Ouais. Toutes ces collines, c'est des déchets. Ce sont des déchets. Oui. On a construit des montagnes. De poubelles. Voilà le dernier agrandissement en date. Les travaux ont commencé il y a un an. Ils ont dynamité la colline. Exploser la colline pendant la dynamite, pendant 6 mois. Alors, d'après leur dire, ils ont dynamité 270 000 mètres cubes de roches. C'est énorme. C'est énorme. Et bien sûr, pour le remplir de poubelles. Pierre a décidé de documenter le fonctionnement du site. Il a besoin de vidéos pour mobiliser un maximum d'habitants et réclamer la fermeture de la décharge. C'est un truc de fou quand même, tu l'as jamais vu ça. En théorie, ce site, il est censé recevoir que les déchets ultimes, que des déchets qu'on ne peut pas valoriser. Ultime, exactement. Vous voyez des déchets alimentaires, du plastique, des ferrailles, de tout, et tout est mis dans un camion et tout est déballé ici. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que la décharge promise à la fermeture est finalement restée ouverte? Et pire, pourquoi est-ce qu'elle doit s'agrandir? Avec Pierre, nous allons essayer de comprendre. Ça paraît incroyable, mais ce ne sont pas les déchets de la commune des Pennes-Mirabeau qui sont enfouis ici. Les camions viennent d'un peu plus loin. Il y a 300-400 camions par jour qui passent. Ça commence à 5h30 quand même. Ça n'arrête pas la journée. Bien sûr que ça nous met en colère. 300-400 camions, ça fait toujours du bruit. Les odeurs, évidemment, la circulation. Pour une petite commune de 21 000 habitants, ça fait beaucoup. Regardez le plastique. Vous voyez le plastique de 2 mètres, là? Voilà, hop, regardez ce qui tombe, du polystyrène. Voilà, ça tombe du camion. Et ça, il y en a des milliers dans la commune. Des salariés de Suez viennent régulièrement nettoyer les alentours pour ramasser les déchets qui se sont envolés. Ils n'ont pas accepté que nous les filmions. D'après les habitants, ils passent le plus discrètement possible, tôt le matin, la plupart du temps. Pas besoin d'aller bien loin pour comprendre pourquoi le tri n'est pas fait. Les déchets enfouis
viennent de différentes communes de la métropole d'Aix-Marseille, comme ici, à Aubagne. À Aubagne, c'est un peu spécial parce que depuis 2011, on n'a plus de poubelle jaune dans laquelle on pouvait mettre le carton, le plastique. Vous avez bien entendu. Les habitants avaient une poubelle de tri chez eux à une époque. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ils n'ont plus qu'une poubelle grise, dont le contenu sera intégralement enfoui. On nous a dit que le fait de venir chercher la poubelle devant les maisons, ça coûtait trop cher. Et que justement, pour faire des économies, on allait nous mettre des points d'apport volontaires. Les voilà, disposés à différents endroits de la ville. Il y a un point de dépôt pour les emballages recyclables. La benne jaune, là. Il y a marqué « Nouveau, je prends tous les emballages, tous emballés par le tri ». Nous allons rester un petit moment pour voir qui utilise ce point de collecte au fond du parking. Il y a beaucoup de gens qui passent, mais j'ai pas l'impression que... Non, il est pas plein, hein. Ne guettez pas. Ah bah non, il est quasi vide. Il est vide. Il y a 2-3 petits cartons au fond et c'est tout. Vous pouvez rester jusqu'à midi, on n'a pas grand monde. Hein. Les seules poubelles qui débordent, ce sont les ordures ménagères. Oh, que ça sent bon. Les bouteilles en plastique recyclables et les cartons vont être enterrés à côté du quartier de Pierre, au Pen Mirabeau. Là, on voit bien que le tri n'est pas fait parce qu'il y a plein d'emballages recyclables mélangés avec de la nourriture. Et là, on est à 30 mètres, on la voit là. Ah oui, mais on pourrait leur mettre mètres de poubelle la, de la benne jaune pour les cartons, le plastique et tout. Ah ouais. En nous voyant inspecter les poubelles, une commerçante se rapproche. C'est vrai que je vous avoue, je ne vais pas traverser toute la ville pour aller jeter mes cartons. Hein. Ouais, ouais. C'est logique. Il n'y a pas un système assez efficace qui est mis en place pour vous permettre de faire le tri. Mais ça ne rentre pas, nous on a des gros cartons. Les victimes de ça, c'est vous? Oui, bien sûr. C'est normal que ça arrive chez nous, ça. C'est pas si étonnant qu'on agrandisse des centres d'enfouissement si, encore aujourd'hui, il n'y a pas de tri dans des communes comme ça. Ben oui. La métropole d'Aix-Marseille a récupéré la gestion des déchets en 2016. Il n'est apparemment pas prévu de remettre des poubelles jaunes chez les habitants. Tout cela n'est pas très respectueux de l'environnement. Mais en plus, ce système leur coûte particulièrement cher. 2022, là c'est le grand saut, puisqu'on passe de 120 euros à 174 euros. Pour arriver en 2023 à 186 euros. Donc on peut dire qu'en 3 ans, on a pris 66 euros. La taxe d'ordures ménagères dans la métropole d'Aix-Marseille est 40% plus chère que la moyenne française, selon le calcul des militants locaux. Si on m'explique où va cet argent et que je sais qu'il est employé pour mieux trier, moi je suis OK, il n'y a pas de souci. C'est rageant dans la mesure où cet argent, on ne sait pas où il va. On va vous expliquer. L'État voulait encourager la réduction des déchets et dissuader les communes d'agrandir les décharges. Pour cela, une taxe a été créée. Et là où les décharges n'ont pas été fermées, les usagers doivent désormais payer la taxe sur l'enfouissement. En 2020, c'était 25 euros la tonne. En 2022, 45 euros la tonne. Et les habitants ne sont pas au bout de leur surprise, parce qu'en 2025, ce sera 65 euros la tonne. On paye toujours plus et on demande aux gens de trier plus pour faire le moins de déchets possible. Et à côté de ça, on leur donne moins de possibilités de le faire. C'est incompréhensible. La loi prévoit de diviser par 2 d'ici 2025 la quantité de déchets enfouis en France, en se basant sur l'année 2010. En 2010, on enfouissait 19 millions de tonnes par an. On est donc censé arriver d'ici 2025 à 9,5 millions de tonnes. Mais pour le moment, on est à 17 millions de tonnes, bien, bien loin du compte. Donc, officiellement, on est censé, en France, d'ici 2025, réduire de 50% l'enfouissement des déchets. Si diminue de 50% d'ici 2025, je mange un rat. Vous mangez un rat? Ah oui, oui. D'accord. Il y a le choix ici. Parce que vous y croyez pas du tout? Pas du tout. Beaucoup de communes agrandissent leurs décharges. Et certaines ont misé sur une autre stratégie.
C'est ce que nous allons voir dans la préfecture du Cantal, à Aurillac. Ici, il n'y a ni décharge, ni incinérateur. Devinez où vont toutes les poubelles de cette ville de 25 000 habitants. Nous allons découvrir cela avec une combattante, anti-décharge. Bonjour Gaëlle. Ça va ? Et toi ? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ici à Aurillac devant un entrepôt ? Eh ben, on est devant le quai de transfert des ordures ménagères. Ben, du coup, tout arrive ici, ensuite ça repart en camion parce qu'ici, ils n'ont pas de solution locale de traitement des ordures ménagères. Bon, ben, on va essayer de suivre un de ces camions pour voir où ça va. Allez, c'est parti. Elle a eu une prise de conscience, un jour, à Belle-Île-en-Mer. Cette île, c'est mon lieu de vacances depuis toujours. Et je suis venue faire ici une saison d'été en travaillant dans une crêperie à emporter. J'ai découvert comment on gérait les déchets et qu'on enfouissait les ordures ménagères. C'était un peu voir l'envers du décor et ça m'a vachement choquée. Et ça ne colle pas du tout avec l'image de Belle-Île comme un petit paradis. Ça m'a motivée à faire quelque chose pour ce territoire quoi, et voir comment arrêter d'enfouir. De ce qu'on enfouit ici, c'est biodégradable. Et c'est là que je me suis dit, peut-être qu'on pourrait composter les biodéchets de tous les professionnels de Belle-Île-en-Mer. C'est un côté rassurant, en fait, de commencer par les petits gestes du quotidien, notamment le compostage, et de me dire que moi, au moins, je fais ma part. Je m'appelle Gaëlle Leroux et je me bats contre l'enfouissement et pour un meilleur tri à la source des déchets. Avec Gaëlle, nous allons donc suivre les camions de déchets qui partent d'Aurillac. Vas-y, on peut y aller, il y en a un qui est parti. Vers la gauche ? Vers la gauche, ouais. Ouais, il tourne envers Montauban là. Cahors, Figeac. Donc là, il descend vers le sud. C'est ça, hein ? C'est ça. Nous ne sommes pas en train de filmer un trajet exceptionnel. L'intégralité des déchets d'Aurillac part vers d'autres départements. Il y a donc des transports comme celui-ci, quasiment tous les jours. Ça fait 50 km qu'on roule. On vient de sortir du département du Cantal pour rentrer dans le département du Lot. On passe vraiment dans tous les petits villages. Hein. Je me demande si les gens qui voient passer ces camions se doutent de ce qu'il y a dedans. Nous suivons la direction de Figeac, dans le Lot. Donc là, ça fait à peu près 80 km. Ouais, et on est à Figeac. Et ce n'est toujours pas la fin du parcours. Nous continuons de voyager à travers la campagne. Ça commence à être long, là. On a fait environ 200 km depuis Aurillac. Ça fait presque, ouais, presque 3 heures qu'on roule. C'est un sacré trajet pour des poubelles, quand même. Hein. Le camion s'engage sur une plus petite route. Alors là, il prend à droite. Il y a une petite commune, visiblement, qui s'appelle Montèche. Je crois qu'on y est. Voilà la fin du périple. Après 200 km, ces déchets d'Aurillac arrivent dans une décharge en pleine campagne. Donc ça veut dire que les poubelles d'Aurillac sont enterrées ici ? Oui, apparemment, ouais. C'est ouais. Complètement dingue, ça, non ? C'est hallucinant, ouais. Une responsable de la décharge vient à notre rencontre. Bonjour ! On a suivi, en fait, le camion qui vient d'Aurillac avec les ordures du Cantal pour voir où allaient ces ordures. Et on a découvert qu'elles étaient enterrées ici. Alors, elles sont traitées chez nous, effectivement. Alors, vu que vous êtes là, vous voulez venir voir ? Nous entrons. Visite surprise. Cool. Sans avoir eu besoin de prendre rendez-vous. Ouais, par rapport à Belle-Île, ça n'a pas grand-chose à voir. Non. À part quelques goélands. C'est carrément plus grand, ouais. Les déchets d'Aurillac
sont enfouis sous nos yeux. Moi, je pensais pas du tout que les poubelles puissent être enterrées aussi loin du lieu où elles sont produites. Elles sont pas enterrées. Là, elles sont enterrées. Les poubelles, alors, certes, mais elles sont pas enterrées. Avec, je fais un trou comme si je faisais un trou au fond de mon jardin et je gère ça comme ça. C'est une solution qui permet de mettre en sécurité les déchets, de protéger l'environnement. Est-ce qu'on peut dire que là, les déchets ne polluent pas du tout? Oui. Que les déchets que vous enterrez ici ne polluent pas? Oui. À 100%? Oui. Là, on voit qu'il y a des travaux de terrassement en cours. Vous agrandissez le site? C'est pas qu'il s'agrandit, c'est qu'il continue ses activités. On est en train d'aménager nos prochaines alvéoles qui vont nous permettre d'accueillir le traitement des déchets au cours des prochains mois. Mais donc, ça s'agrandit quand même? On a une autorisation pour continuer à travailler ici et pour continuer à apporter cette prestation de service, bien sûr. Donc le site s'agrandit? On s'agrandit parce que le besoin est encore là. Il n'est pas prévu de construire de nouvelles infrastructures à Aurillac pour gérer les déchets. Ils comptent garder la même stratégie dans les années à venir. Envoyer toutes leurs poubelles dans les départements alentours. On sait combien d'émissions de CO2 ça représente, ce transport des déchets en France? Ça représente environ 2 millions de tonnes de CO2 par an, tous les déchets confondus sur toute la France. C'est à peu près autant que le transport aérien en France métropolitaine. On pollue autant en transportant nos déchets qu'avec le secteur aérien. Oui. Il arrive même que nous envoyons nos camions poubelles à l'étranger. Celui-là, par exemple, est rempli de déchets. Il vient de traverser la frontière et arrive, regardez bien le drapeau, oui, en Suisse. Dans le canton de Genève, cet incinérateur reçoit tout un tas de déchets français, y compris des déchets ménagers, en particulier en hiver. Quand il y a une pointe de production de déchets ménagers due au tourisme dans les stations de sport d'hiver, les usines en fait, de Savoie sont saturées ou s'ils ont un problème, ils ne peuvent pas absorber le circuit de production de déchets, alors ils viennent ici chez nous. Ça, c'est à peu près 2000 à 2500 tonnes par an. Une partie des déchets qui brûlent ici en Suisse ont donc été jetés par des touristes dans les stations de ski. Voilà les flammes de l'enfer. Avec quelques déchets français dedans. Voilà. Il y a du suisse, du français, ça brûle la même chose. Figurez-vous qu'en Suisse, des décharges d'ordures ménagères, il n'y en a plus. Aucune. Taux d'enfouissement, 0%. Pour ce qui est des ordures ménagères, l'enfouissement est interdit en Suisse depuis plus de 20 ans maintenant. Cette installation récupère la chaleur pour chauffer les habitations alentours. C'est le principal avantage de l'incinérateur par rapport aux décharges. On utilise l'énergie produite par la combustion des déchets pour chauffer des maisons ou faire de l'électricité. À part ça, l'incinération, ce n'est pas non plus l'idéal pour la nature. Il y a des rejets dans l'air. 20% des déchets qui entrent finissent en cendres et sont réutilisés en remblai routier. Et 0,5% sont des déchets ultimes qui seront, eux aussi, enfouis. Toujours est-il que selon l'Agence de l'environnement, c'est quand même beaucoup mieux que les décharges, où 100% des déchets sont enterrés. Allons voir le fonctionnement d'une décharge de toute dernière génération, dans un très bel endroit. Le Vallon des Pins. On aurait pu venir ici pour faire de la randonnée, mais on va plutôt s'intéresser à cette décharge, toute neuve, aux normes. Elle a ouvert ses portes en 2022. Ce sont les maires des communes d'à côté qui ont décidé de construire cette installation. Ils n'ont pas trouvé d'autre solution pour traiter les poubelles qui s'accumulaient. Le site va absorber 100 000 tonnes de déchets cette année. Donc voilà l'exploitation, le casier unique qui sera exploité pendant à peu près 25 ans. Pour l'instant, c'est un immense trou. Il va être rempli de déchets année après année. Donc là, dans 25 ans, je pourrais continuer tout droit. Le sol sera droit, tout sera rempli. Tu monteras même un petit peu. Ouais, parce que là, les pelleteuses qu'on voit au fond, elles sont à 50 mètres en dessous. À peu près à 50 mètres, il y a déjà environ 17 mètres déjà de stocker en déchets. D'accord. Ouais. Ah, donc il faut s'imaginer que là, on pourra marcher jusque l'autre côté du trou, quoi. Exactement. Ce qui nous surprend immédiatement, c'est le balai des engins.
Ils sont là à la fois pour égaliser le niveau et pour tasser les déchets. Ils font des allers-retours sans arrêt. Même dans les installations de toute dernière génération, il y a encore des salariés au volant de ces machines qui passent 6 heures d'affilée au-dessus des déchets. Qu'est-ce qu'il y avait avant ici ? Il y avait un vallon naturel. Donc il y avait une forêt là ? Il y avait une forêt. Il y avait 17 hectares de pins. Donc il a fallu détruire 17 hectares de forêt pour faire ce site. C'est un peu la face cachée de nos poubelles, quoi. Tout à fait. On enlève une forêt et on met un gros tas de déchets à la place. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça vous fait pas particulièrement plaisir ? Du tout. J'imagine. Du tout. On n'enfouit pas des déchets par plaisir, de toute façon. Ouais. Par contre, on doit le faire le mieux possible et le plus intelligemment possible. C'est un bonheur olfactif, hein. Même des déchets d'hôpitaux, là, visiblement. Là. Il y a une perfusion. Une trottinette électrique. Vous recevez des enfants, des classes, des fois, qui viennent visiter ? Oui, oui, oui. Quand ils viennent ici, toujours, il y en a un qui va venir vers moi et dire « Et après, ça va où, monsieur ?» Ça va où, les déchets ? Ouais. Ils comprennent pas. Ils disent « Mais après, ça va où ?» Quand ils voient ça, ils disent « Non, on leur dit, ça reste là. » Vous entendez ? Là, on entend qu'il y a beaucoup de verre. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Avant d'enfouir les déchets, un revêtement étanche a été installé au fond pour protéger le sol. C'est quoi cette moquette verte là ? Alors, cette moquette verte, elle protège la bâche dessous. Donc une bâche en polyéthylène haute densité. Plastique solide, dur. Très costaud, 2 mm d'épaisseur, qui recouvre l'ensemble du casier, c'est-à-dire sur les flancs, sur le fond, soudé et contrôlé. Elle est coincée en sandwich pour être protégée des matériaux naturels du site et des déchets. L'installation n'est pas censée recevoir du verre. Il aurait pu être trié et recyclé. Ça, c'est typiquement le genre de déchet qui pourrait endommager la membrane en plastique. Tout à fait. Ça pourrait être suffisant pour créer un dégât sur la membrane. Une boîte de conserve pourrait être problématique. Donc, d'où l'intérêt du tri encore en amont, d'être très vigilant à ne pas mettre des déchets qui n'ont rien à faire ici, en fait. Pour éviter tout risque d'infiltration du jus de décharge. Du jus de décharge. Du jus de décharge, tout simplement. Ça s'appelle du lixiviat. Par exemple, dans ce stock de déchets recouverts de cailloux, il y a un récupérateur de jus de décharge, tout au fond de la bâche. Les restes de fruits et légumes qu'on a jetés dans la poubelle pourrissent, créent un liquide qui se retrouve en contact avec les piles, les produits d'entretien et tout ce que vous pouvez imaginer. Ce liquide toxique est récupéré, remonté par un tuyau, jusque dans ce réservoir. Du jus de déchets, ça donne pas envie ça. Non, on a une petite odeur là, vous l'avez pas à l'image, ouais, c'est on sent bien, ouais. C'est un peu le jus qu'on trouve au fond de la poubelle dans la cuisine, si on laisse le sac quelques temps, c'est le même jus, hein, on n'invente rien, sauf que nous, c'est en conséquence du volume des déchets. Il y en a un peu plus. Voilà, exactement. Naturellement, il y a du liquide présent dans le déchet, et il y a également la pluie, l'eau qui tombe du ciel, qui va se mélanger directement dans le massif des déchets. En gros, tous les polluants qui se retrouvent enfouis, l'eau va forcément s'en imprégner en passant à travers. C'est sûr, c'est quelque chose de très, très chargé. Ouais. Si ça se retrouve dans un cours d'eau, un ruisseau, une nappe phréatique... C'est une vraie pollution, c'est le pire qui pourrait arriver. Voilà. Ça ne doit pas arriver. Quand le bassin sera plein, une station d'épuration ambulante viendra jusqu'ici pour traiter l'eau. Et les résidus toxiques qui resteront seront incinérés comme des déchets dangereux. Mais nos vieilles tomates en décomposition qu'on a jetées ne produisent pas que du jus. Elles produisent aussi du gaz. À chaque fois que les déchets ont rempli un étage, au moment où ils ajoutent du gravier, ils installent des tuyaux pour récupérer le méthane. Car c'est un gaz à effet de serre très puissant. Alors ça, c'est la torchère. Le déchet se décompose, alors surtout les déchets organiques certains plastiques. C'est vraiment un phénomène naturel et effectivement, on a un gaz qui se produit, qui s'appelle ce biogaz. C'est du méthane ? C'est du méthane à 50% en moyenne et 50% de dioxyde de carbone. Que font-ils avec ce gaz ? Ils le brûlent. On devine la combustion à l'œil nu. Ce méthane, c'est pourtant un gaz qui peut être très utile. On aurait pu l'utiliser, par exemple, pour faire rouler des bus au biogaz. Là, il est brûlé sur place.
Donc là, à minima, on le détruit avec la torchère. Mais l'objectif, c'est de le valoriser. Sachant qu'on va recevoir des déchets pendant plus de 25 ans, on peut réfléchir à faire une valorisation. Pour le moment, il est brûlé sans être réutilisé. Et c'est légal, même dans une installation dernier cri. Juste à côté, on dirait qu'on est au même endroit, mais c'est une autre décharge, plus ancienne. À gauche, le vallon des pins, tout neuf. À droite, les lauriers, inaugurés il y a une trentaine d'années, avec d'autres gestionnaires. Allons voir comment ça fonctionne. Ces habitantes, membres d'une association, surveillent la décharge de très près. Ah ouais, c'est une vraie montagne, hein. Voilà, en fait, ça fait comme une pyramide, hein, comme en Amérique du Sud. Ouais, c'est ça. Hein, on dirait un temple inca, presque. Ouais, c'est ça. On troque la nature contre des poubelles, quoi. Elle nous indique le lieu où le vent souffle le plus fort. C'est complètement au nord des lauriers. On peut y aller, hein, y a un chemin qui est là. On se dirige vers l'arrière du site d'enfouissement parce que, visiblement, les jours de vent, c'est le cas aujourd'hui, il y a une partie des déchets qui s'envolent, qui partent dans la nature. Ça, c'est le grillage qui entoure le site. Et ça, c'est la nature, constellée de sacs plastiques. Là, on voit bien, hein, que le vent arrive de là-bas. Il pousse les sacs plastiques à l'extérieur de la décharge et ça se déverse partout, là, sur des centaines de mètres. Ah oui, c'est hallucinant, là, il y en a partout. Mais j'en ai jamais vu autant. Jamais. Non, mais là, c'est une décharge dans la nature, quoi. Tout à fait, extérieur. Oh là 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 là. C'est horrible. Et voilà. Oh. Oh, le désastre. Là, c'est pire. Alors là, il y a un sac de course. C'est assez ironique, parce que dessus, il y a marqué « Ce sac est réutilisable et ne doit pas être abandonné dans la nature. » Avec une photo de beau paysage du Var. Bizarrement, là, sur les photos de paysage, on voit pas les sacs plastiques. Non. Ça vous fait quoi de voir ça, là ? Ben, je pensais pas qu'on pouvait en arriver jusque-là, quoi. Je pensais que c'était géré un peu mieux. Ici, il y a des déchets beaucoup plus vieux que dans le site d'à côté. Et même vieux, ces déchets produisent toujours du jus de décharge. Le jus qu'on a devant nous, c'est le jus qui est issu d'ordures d'il y a 50 ans. C'est ça, c'est-à-dire de 1976 à 2011. C'est incroyable. C'est plus ancien que moi. On a vu la couleur qu'il a aussi. Ouais. Ça, c'est du poison, potentiellement, ce liquide. Ah ben, il y a des substances qui sont toxiques, oui. Il peut contenir de l'arsenic, du plomb, j'en sais rien. Des tas de métaux qui peuvent être dangereux pour la santé, pour la nature. Quand vous voyez un site comme ça, qu'est-ce que vous vous dites ? Pourvu que ça tienne en place. Pourvu que ça tienne en place. Oui, que ça bouge pas, en fait, je veux dire. Qu'il n'y ait pas un événement climatique extrême qui emporte tout ça, quoi. C'est ça, oui, ouais, ouais, c'est exact. Si on a des éboulements ou si on a eu des pluies torrentielles, ça peut éventuellement déborder. Il y a eu des débordements, c'est sûr. Les vieux déchets créent toujours du jus et toujours du gaz. Là, il est récupéré et réutilisé. Mais est-ce vraiment efficace ? C'est ce que nous allons voir avec ce chercheur, spécialiste des gaz à effet de serre. Avec sa petite valise, il peut calculer le taux de méthane dans l'atmosphère. Nous partons avec lui. Direction, la décharge des lauriers. Le paysage est magnifique. Et donc là, on roule dans la campagne et on est à 2 ppm. Les ppm, c'est notre unité de mesure, c'est les parties par million. Et naturellement, il y a du méthane dans l'atmosphère. C'est un gaz qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, ça n'a pas d'odeur. 2 ppm, au milieu de la forêt. On commence à avoir une légère augmentation. Plus on se rapproche, plus le taux monte. Là, voilà, là, ça sent le soufre, ça sent la décharge et on voit aussi immédiatement que la concentration de méthane augmente. Il y a un pic à 3,1. Donc là, il y a clairement des émissions qui sont liées à la décharge. Après notre première visite,
Les responsables de la décharge nous avaient dit qu'ils avaient ramassé tous les plastiques envolés dans la nature. Mais quand nous y revenons, le paysage a assez peu changé. De nouveaux plastiques recouvrent la forêt. Et là, on a d'emblée un signal qui monte assez haut. Les concentrations sont plus élevées que ce qu'on avait sur la route. Ça monte jusqu'à 5 et quelques, ça continue d'augmenter. Ici, il y a déjà deux fois plus de méthane que sur la route. Nous continuons de nous approcher, le plus près possible, à quelques dizaines de mètres des déchets. On est à 23 et quelques ppm. C'est ce qu'on peut observer quand on va au milieu d'une décharge très proche des sources. C'est une grosse concentration. Un taux 10 fois plus élevé qu'aux alentours. Donc le méthane, il vient de la matière organique qui est enfouie. Ça finit par infuser à travers une partie des flancs de cette colline qui n'est peut-être pas encore bâchée. Une partie seulement du méthane est récupérée. Malgré tous les efforts qu'on pourra faire pour bâcher un maximum, il reste du méthane qui s'échappe systématiquement, malheureusement, des décharges. D'après lui, c'est très fréquent. Même quand la décharge est régulièrement contrôlée, comme ici, et qu'elle respecte les normes. En générant des déchets qui sont enfouis là, on génère ces émissions de méthane et il faut que nous, en amont, on réduise la quantité de matière organique qu'on met dans nos déchets. On comprend mieux l'importance du combat de Gaël, à Belle-Île-en-Mer. Salut Jean. Salut Gaël. Ça va ? Et toi ? Elle a réussi à convaincre quelques restaurateurs de ne plus jeter le moindre déchet organique à la poubelle. Alors, comment ils vont ces composteurs ? Ben là, je pense qu'ils vont très bien. Ça, c'est ce que vous avez fait cet été. Et donc, vous arrivez quand même à mettre toutes vos épluchures, tous les restes de repas dans les composteurs. Il n'y a rien dans la poubelle. Non. Entre tout, on met tout notre compost ici. Ce que Gaël espère, c'est qu'un jour, il n'y ait plus aucun déchet organique dans la décharge de Belle-Île-en-Mer. Normalement, elle ne devrait même plus avoir à se battre pour ça. Les communes sont obligées de collecter les déchets alimentaires. C'est la loi. C'est obligatoire depuis le 1er janvier 2024. Les mairies sont censées collecter à domicile, dans des poubelles spéciales, ou installer des points d'apport volontaires pour récupérer les épluchures, les coquilles de moules et tout ce qui est naturel. Les envoyer dans un méthaniseur, réutiliser le méthane et pour ce qu'il reste, en faire de l'engrais. C'est obligatoire, mais encore rarement appliqué. Plus de 60% des Français n'ont toujours aucune solution pour collecter leurs biodéchets. C'est seulement maintenant qu'on se rend compte que c'est urgent de composter. Donc on est assez en retard. Et malheureusement, il y a des territoires qui n'ont même pas commencé à réfléchir à ces solutions. Donc c'est vraiment une aberration écologique. Bon, on a assez vu de déchets. Nous allons enfin nous éloigner de la puanteur pour nous rapprocher de ce joli troupeau de moutons à Château-Landon, en Seine-et-Marne. Ouais. Donc là, vous avez l'abri pour les moutons. Ils sont derrière des grillages. Ils gambadent autour de tuyaux et de cheminées. Vous nous voyez venir. Mais alors, je comprends pas, on est dans un champ là. Non, non, pas du tout. On est sur un ancien centre d'enfouissement de déchets ménagers. Autrement dit, une décharge fermée, avec des bassins toujours là. On n'a plus enfoui de nouveaux déchets ici depuis 25 ans, mais l'installation produit encore du jus, et même du méthane. Ouais, ça, c'est la torchère, ça, non ? Non. Non, c'est un piezo, non ? Elle est là-bas. Oui, ben voilà. C'est là où on brûle le méthane. Et elle est en fonctionnement, là. Là, actuellement, on brûle du méthane. Le méthane brûle là aussi, sans que l'énergie soit récupérée, sans chauffer la moindre maison. On n'a pas assez de recul encore aujourd'hui pour savoir comment ça va évoluer, à partir de quel moment on arrêtera de post-exploiter, entre guillemets, le site. On a une obligation de surveillance de 30 ans, par l'arrêté préfectoral de post-exploitation. Le jour où on décide d'arrêter d'enfouir, il faut encore gérer le site pendant plusieurs décennies. Ici, ça coûte 40 000 euros chaque année. Ils ont ajouté de la terre au-dessus des déchets avant de laisser paître les moutons.
Vous n'avez pas vu de déchets remonter, vous voyez que la végétation, elle pousse et vous n'avez aucune odeur. Donc ça veut dire que tout se passe bien. Vous êtes inquiet pour les moutons ? Le gestionnaire nous assure qu'ils n'ont rien à craindre. Ils ne peuvent pas être en contact avec les polluants de la décharge. Au-dessus des déchets enfouis, il y a une membrane recouverte de terre. C'est le couvercle du tas de déchets. Et on est sûr qu'il n'y a pas de pollution potentielle au niveau du sol ? Nous voyons bien qu'il y a comme un petit problème. Les déchets se tassent, donc les polluants ont plutôt tendance à les descendre plutôt que de remonter. Et on sait si au fond tout se passe bien, la bâche est bien étanche. Je suppose que oui, je sais pas. Les fonds du casier ici ne sont pas, mais la préfecture le sait, alors je dis en off, il n'est pas question de le crier sur les toits, mais le fond du massif n'est pas étanché. Quand il a été construit en 85, ils ont creusé les casiers, mais ils n'ont pas étanché. Il n'y avait pas les mêmes obligations au moment de la construction d'un centre d'enfouissement technique qu'aujourd'hui. Vous avez bien compris, il n'y a aucune protection en dessous des déchets. Les polluants peuvent se disperser dans le sol. Ça vous inquiète pas, cette situation ? Après, c'est la nappe phréatique, c'est la présence de la nappe phréatique. Nous, on a une nappe phréatique qui traverse le site. Nous nous sommes renseignés sur les cartes du Service géologique national. Et il y a effectivement ici une nappe souterraine, 20 mètres sous la décharge. Je pense que le choix de faire de l'enfouissement ici a dû être lié à la nature du sous-sol. J'ose espérer. Donc, quand on ferme une décharge, elle émet encore du gaz pendant au moins 30 ans. Quand c'est fini, on arrête de la surveiller. Mais les déchets sont toujours là. Une boîte de conserve en métal mettra environ 100 ans à se décomposer. Une bouteille plastique, plus de 2500 ans. Une bouteille en verre, 4000 ans. Et on ne vous parle pas des matières toxiques, les produits d'entretien, les piles, etc. Ça, ce sont les décharges encore surveillées. Mais il existe aussi des décharges totalement oubliées. Bonjour Alain. Bonjour Hugo. Ça va ? Ça va bien ? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Bah là, je regarde ce que les dernières crues nous ont apporté. Il y a des petits déchets un peu partout, à droite, à gauche. Dans toutes les régions de France, il existe d'anciennes décharges autrefois légales et aujourd'hui abandonnées. Ce combattant s'est donné pour mission d'aller les dénicher. Nous allons attribuer cette année pour le meilleur film catastrophe. Le César du plus gros pollueur, mais je m'en fous, est attribué à la commune de Bordes. Bravo la commune de Bordes. Grâce à cette vidéo, le site a été dépollué. Si quelqu'un tombe à l'eau, on adopte toujours la position de sécurité. Vers l'avant. Alain nous emmène un peu plus loin sur la rivière. C'est un voyage bucolique, mais qui ne va pas le rester longtemps. Nous n'allons pas profiter du spectacle des échassiers. Le paysage est vite gâché par les sacs plastiques. Ils n'ont pas forcément été jetés récemment. Certains étaient enterrés depuis des décennies. Il faut avoir l'œil. On peut très bien passer à côté de ce site sans le remarquer. C'est Alain qui nous montre que cette berge n'a rien de très naturel. Alors ici, on dirait que c'est un rocher là, mais c'est pas un rocher, hein. c'est de la vieille moquette. Ah, voilà. C'est pas un rocher, je pensais que c'était un rocher recouvert de mousse. Non, c'est un bout de moquette qui doit faire 3-4 mètres de long. Ah. Et elle est enroulée. Hein. Vu de la rivière, ça fait illusion ça. Hein. On dirait vraiment un rocher. Des jeux pour enfants. Ah, il y a la collection complète du petit train là. Ah, c'est fou. Ah, là, il y a des yaourts. Un vieux yaourt aux fruits. Une marque très connue.
Alors, c'était quoi ça? Un maillot de bain? Betterave rouge. Il y a la date de péremption. Alors, allez, à ton avis, à consommer de préférence avant le 20 septembre 1988. Ben voilà. On arrive à trouver des sacs poubelles ici avec des numéros de téléphone à 3 chiffres, 4 chiffres. Ouais. Voilà. Les années 50, quoi. À l'époque, tous les déchets ménagers étaient enterrés ici, sans aucune protection, au bord de l'eau. Là, on est sur une décharge qui était légale. C'est pas un dépôt sauvage. Hein. Ah, tout à fait. C'est une décharge communale hein, qui était tout à fait légale en bordure de rivière, enlevée. À l'époque, l'environnement, dans les années 60, il n'y a pas grand monde à s'en soucier. Hein. Et il y en a beaucoup, des décharges comme ça, le long du Gave? 56 ont été répertoriés. Juste le long du Gave? Le long du Gave, sur le Gave c'est de Pau. C'est hallucinant. Donc, c'est un réservoir presque infini de déchets. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une crue? Ça va emporter des milliers de tonnes de déchets qui vont encore partir dans le Gave. Ben, ça finira tôt ou tard dans l'océan. Hein. C'est à qui de dépolluer tout ça? Ben, en théorie, le propriétaire de la décharge, c'est la commune d'Uzos. Mais financièrement, une petite commune de 300-400 habitants n'a pas les moyens de traiter une décharge de cette ampleur. Pour éradiquer celle-ci, c'est à peu près 1 million d'euros. 1 million d'euros? Oui. Juste pour nettoyer juste ce site pour, et enlever tous ces déchets. Il y a même d'anciennes décharges encore plus inquiétantes. Sur la plage, nous sommes à Fouras, à une encablure de Fort Boyard. On pensait que les vieux déchets étaient protégés derrière les dunes. Mais à marée haute, les vagues viennent grignoter le sable et font ressortir les détritus. Dépolluer ces vieilles décharges littorales, c'est une urgence absolue et c'est la mission d'un établissement public, le CEREMA. Rien que ce chantier coûte 6 millions d'euros, pris en charge par l'État et les collectivités locales. Nous payons encore aujourd'hui pour les déchets de nos arrière-grands-parents. On voit des bouteilles en verre, on voit des morceaux de plastique, des bouts de bâche, quelques plastiques vraiment de produits ménagers de l'époque. Et tout ça mélangé avec de la terre et des produits en décomposition. On expérimente des techniques de traitement pour essayer de recycler au maximum les déchets. On arrive à recycler tout ce qui est métaux. Donc ces métaux-là sont valorisés. Et après, tout ce qui concerne, par exemple, les plastiques, ça, on essaie au maximum de les trier pour, dans certains cas, les recycler. Mais dans d'autres cas, forcément, ça part en déchets ultimes. Et ça, c'est des déchets qui sont enfouis. Donc après, c'est dans des centres qui sont spécialisés. Quand nous déterrons une vieille décharge, c'est souvent pour réenterrer un peu plus loin. Des déchets retirés de la plage sont dépollués sur ce site et ils finiront dans d'autres décharges, aux normes d'aujourd'hui, mais toujours dans la terre. Alors que pouvons-nous faire? Est-ce qu'on peut imaginer un monde où plus aucun déchet ménager ne serait enfoui? La réponse est oui. Et on le sait grâce à l'expérience de Besançon. Bonjour les enfants. Tu fais quoi Alice? La couche. Tu mets la couche? Oui, là. Ouais, c'est vrai. Vous connaissez des couches en tissu comme celle-là? Lavables? Ce n'est qu'un tout petit exemple de ce qui est mis en place à Besançon. Pour une crèche classique, on va dire, les couches jetables, j'imagine que ça représente une grande partie des déchets. Tout à fait. On est à 120 kg de couches jetables pour une crèche par enfant. Donc là, avec ça, vous évitez 120 kg de déchets par enfant tous les ans. C'est énorme. Ben, on est fiers du travail qu'on peut effectuer avec toute l'équipe, de pouvoir réduire les déchets, de participer comme ça, oui, au respect de l'environnement. Et c'est pas très compliqué à mettre en place. Il n'y a pas qu'avec les couches qu'ils ont réduit leurs déchets. Des restaurants de la ville mettent de côté les restes alimentaires. À chaque coin de rue, on collecte les déchets organiques. Les habitants recyclent au maximum. Si vous voulez acheter un plat à emporter à midi, il faut souvent venir avec son récipient consigné. Le restaurant le lave et vous en redonne un autre. À Besançon, la décharge de déchets ménagers a fermé il y a plus de 50 ans. Dans les années 70, ils ont encore utilisé longtemps une décharge pour les encombrants, mais là aussi, c'est fini. Ils n'y envoient plus rien depuis 2015. Ils réutilisent, recyclent le plus possible, et ce qui reste est brûlé dans deux incinérateurs, situés l'un à côté de l'autre. Enfin, jusqu'à présent.
car la ville nous a proposé d'assister à une journée historique. Ça va plus vite à détruire qu'à construire. Hein. C'est impressionnant. Ils n'ont plus besoin de cette cheminée. Ils démantèlent l'un des deux incinérateurs. Ce sont des images exceptionnelles. Peu de villes ont réussi un tel exploit. Concrètement, ce four n'était plus utile. N'était plus utile. Il n'y a plus assez de déchets pour qu'il fonctionne. Exactement. C'est-à-dire qu'un seul four nous permettra de gérer tous les déchets du territoire de Besançon et sa région. Ça, c'est la victoire des citoyens, en fait, qui ont réduit leurs déchets. Alors, c'est notre satisfaction, mais c'est avant tout le geste des usagers au quotidien qui permet effectivement de réduire la poubelle au poids où elle est actuellement. Ça montre qu'on peut réduire notre volume de déchets. On y arrive depuis 20 ans à Besançon, on peut réduire la poubelle. Aujourd'hui, on a suffisamment de possibilités de traiter les déchets autrement que par l'enfouissement qui doit rester le dernier des gestes. Notre cap, ça doit être de la sobriété heureuse. Ça, c'est de la sobriété heureuse. C'est le résultat de la sobriété heureuse. Oui, elle diminue progressivement quand on parle, donc on arrive à la sobriété heureuse. Plus de décharges et un incinérateur en moins. Un environnement préservé. Et accessoirement, les habitants de Besançon payent bien moins cher l'enlèvement des ordures ménagères. Ils sont facturés en fonction du poids des déchets qu'ils ont jetés. Alors oui, cela demande des efforts au quotidien. Mais ils n'enterrent aucune poubelle et ils ne laissent aucune dette à leurs petits-enfants. Sur le front, ça continue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de retrouver un peu de sable sur votre voiture au petit matin? Du sable venu du Sahara. Vous allez tout savoir sur ce phénomène incroyable et on va se réchauffer en partant à la découverte de cités englouties car le désert avance. Peut-on l'arrêter? C'est ce que nous allons voir tout de suite.